j'étais partie voyager sans but particulier ou pour genre voir le monde, mais parce que je ne savais plus ce que j'étais en train de foutre de ma vie. Non mais bon sang, Dani ! Dans ta bouche, dans ta putain de pardon ! J'ai pensé, s'il ne jouit pas là très vite, il va finir de me baisser dans cette flaque de vomi. Tout ça c'est fini, man. Mais man, le con. Il fallait consciemment que je fasse un effort pour ne pas parler de lui parce que c'était la seule chose qui m'intéressait vraiment. Mais j'ai envie de travailler pour toi plus que j'ai envie de vivre. Et si je sors de ce bureau sans ce job, je me tire une balle dans la tronche. Sexuellement, c'était juste scandaleux. Vous savez, quand vous baisez comme si la paix dans le monde en dépendait. Et des fois, tout à coup, il se réveillait, il ouvrait les yeux. Il me voyait, il comprenait ce que j'étais en train de faire, et il se retournait, il me traitait de salope. Et moi, j'étais morte de rire. Ce con rigole comme un débile. Il se marre de toutes ses belles dents de débile. Les soins du visage, les dents,